lire le journal de Tramat. Au sommaire aujourd'hui, Tramat, les Chinois achètent le sarin, le valeur du mois. Tramat, des campeurs de jeunesse et camps manifestent. Puis, pour finir, une vidéo qui fait le buzz sur Internet. Les Chinois achètent le sarin pour un triage de France. Voyons Jean-Pierre sur le lieu. Que pensez-vous de l'achat du sarin? C'est scandaleux. Je ne vois pas comment le gouvernement a pu accepter ça, même pour une si grosse somme. Le chiffonnier est un nouveau jeu d'argent, déjà pratiqué dans tous les casinos de Las Vegas. Revenons maintenant avec les manifestants au jeu séquent. Jean-Pierre sur les deux. Pourquoi manifestez-vous? Il n'y a pas de clients d'eau. J'ai payé pour ce coin pour ça qu'il n'y en a rien, mais il n'y en a pas. Vous êtes d'accord? Donc, les placements de produits sont de plus en plus fréquents chez les clubs. N'est-ce pas, Michel? Oui, tout à fait. Et pour finir, une vidéo qui fait fureur sur Internet. C'est la fin de ce journal et je vous dis à demain. Au revoir. Les lunettes télé, l'objet qui anime vos journées. Bien bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct du match Suisse-France. C'est un match plutôt calme. Nous arrivons dans les derniers instants de jeu. Le score est toujours 2-0. Attendez. Le joueur numéro 23, Noan, il reçoit la balle. Le joueur numéro 23, il dribble un joueur, puis deux, puis il va tirer. Nous allons tout de suite envoyer une de nos journalistes interviewer le buteur. Alors, monsieur Noan, comment avez-vous trouvé ce match? C'était difficile, mais je suis parvenu à faire une percée et marquer un but. Et dites-moi, qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? Je suis fier de moi, mais surtout de mon équipe, parce qu'on a joué très collectif. Et qu'est-ce que vous avez fait pour être si... Hey, écoutez-moi, pourquoi c'est toujours les footballeurs qui sont médiatisés, hein? Pourquoi les basketteurs, ils n'ont pas d'interview après les matchs? Moi, je vais vous dire pour... coupez la caméra! Alors, monsieur, parlez-nous du basket, puisque c'est ça que vous voulez. Ah non, mais moi je fais pas du tout de basket, hein. La seule fois que j'ai joué au basket dans ma vie, c'était à l'école. C'était la page des sports. Du noir, voici la lampe qu'il vous faut. Elle se recharge au soleil, réagit au mouvement des paupières et à seulement 29,90.
Dans cette rue effrayante. Je n'ai pas supporté de voir cette ville abandonnée. Ce n'était autre que Tchernobyl. Avec la plume à papote, plus besoin de réviser. Grâce à son micro à série, elle est disponible seulement à 7,50 francs.